Dr. Austerlitz is probably like all the other doctors I've been to. Useless. His methods are unconventional, but you've already tried everything else. And who do we have here? Victor! Mr. Victor Holloway, the one and only. Beyond the gates of our universe swirls Lustgarn. I know this place. I've seen it in my dreams. The land of ecstasy is real. You can't run away. I've waited for this moment for so long. Get him! And don't kill him like the last one! Come with us. You'll be safe. Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve aujourd'hui sur une découverte d'un jeu qui sera disponible le 10 février 2022, qui n'est autre que Lust from Beyond M Edition, comme vous pouvez le voir à l'écran. Par contre, interdit aux moins de 18 ans, c'est un jeu d'horreur psychologique aux thèmes occultes, mais pas que. C'est aussi un jeu érotique, voire avec des images sadomasochistes, donc on va peut-être mettre pour moi en tout cas interdit aux moins de 18 ans. Ce jeu nous ouvre la porte à un monde réaliste plein de désirs, de fascination et de peur. Alors c'est vrai que j'ai testé un petit peu la démo qui est disponible sur Steam. Les graphismes sont très sympas, l'ambiance est présente, le stress est présent comme vous avez vu dans le trailer que je vous ai mis précédemment qui vous donne un petit peu une idée du jeu. C'est un jeu assez spécial, hein, faut être honnête quand même. Il y a des actions, il va y avoir des interactions, il va falloir résoudre des énigmes, il va falloir trouver des objets pour pouvoir avancer dans le jeu. Et pas que, puisqu'on va aussi, comme vous l'avez vu dans le trailer, avoir des mobs, des boss à combattre. Au niveau de l'histoire du jeu, c'est Victor Holloway, un antiquaire, qui est tourmenté par des visions d'une terre sinistre, pleine de luxure et de douleur. Pour en connaître les secrets, il va devoir rejoindre le culte of Ecstasy, dont les membres semblent connaître les réponses troublantes. Il va y apprendre la vie du culte et se perdre dans des coutumes blasphématoires et sexuelles. Mais ses plaisirs de ce monde ne vont pas lui suffire et suffire à personne. Les cultistes suivant les visions de Victor vont tenter d'entrer dans le Lustgaa, le pays de l'extase au-delà des frontières de notre réalité. Alors oui, ça va jongler sur deux mondes en fait, le monde réel et le monde donc où ce culte va trouver tout ce qu'il faut pour élargir leur plaisir. Donc attention, scène garantie un petit peu choc, donc interdit aux moins de 18 ans tout simplement. Donc je vais voir ça pour le faire en live et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, ça vous a donné un petit aperçu, c'est assez glauque, hein, c'est particulier. Mais bon, moi pour avoir testé un petit peu la démo, c'était assez sympa, mais je suis pas allée très loin. Donc au début on incarne cette jeune fille et ensuite on incarne Victor, l'antiquaire, et on va devoir résoudre des énigmes pour pouvoir arriver à nos fins. Alors on repart sur une nouvelle partie. Oui, on va tout perdre, mais c'est pas grave. Le temps de téléchargement est un petit peu long. Donc pour YouTube, je vous couperai le temps de téléchargement parce qu'il est un petit peu long, vous le voyez en bas à droite. Au-delà de l'horizon de perception, les courants d'essence vibrent, ils montrent les voyants de Lustgaa, la terre de l'extase éternelle. Nous suivrons sa lueur jusqu'à que nous manquions de souffle. Oui, on est un petit peu dans le système des cultes ésotériques, enfin tout ce milieu-là. C'est quand même un jeu d'horreur à la base, hein. Vous avez pu voir les bébêtes là qui veulent notre peau. Dès le début, c'est assez spécial. Come. I won't hurt you. Allez, attrape-le. Mais il veut pas venir, la bébête. Come.
Finally. The creature looks healthy. I need to get it to the mansion, quickly. Déjà, c'est assez space parce que la nana, elle s'est quand même coupé le bras pour que la bébête vienne et lui pompe le sang. Alors là, on se retrouve dans le monde, comme je vous disais, un petit peu extraterrestre du jeu, qui vont leur apporter l'extase, etc. Agonie, j'ai pas testé le jeu Agonie. Alors, on va se balader. Par contre, au niveau graphisme, il est assez joli. Hein. C'est assez réaliste, assez prenant. C'est assez chelou aussi. C'est space. Si le son c'est trop fort, vous me le dites, hein, parce que au niveau des voix et tout, vous me le dites. On va visiter un petit peu cet endroit. Ça fait très extraterrestre. Un petit peu space. En même temps, le jeu est space lui-même, donc. Et c'est super joli en tout cas au niveau des graphismes. C'est glauque, mais c'est joli. On a un petit labyrinthe au début, faut trouver la sortie. J'ai réglé la sensibilité parce que quand j'ai testé la démo, ça m'a vraiment tourné le bide. Alors là, on a un portail. Franchissant le portail, ben on se retrouve dans le chapitre premier, Reine de l'Extase. Non, mais tu vas le voir à partir de maintenant. Alors déjà, on va se balader un petit peu. Donc vous pouvez voir là déjà une statue d'une femme qui tient en chaîne un homme. Et ici, vous pouvez voir qu'elle tient un homme aussi sur son épaule. Alors le jeu a été revu au niveau de la démo parce qu'avant, on voyait le sexe de l'homme, là ils ont mis un cache. Donc voilà, alors on va fouiller un petit peu les alentours. Alors, on peut pas le prendre. Alors là aussi ça a été revu parce que au niveau de la plaque grise que vous voyez, qui est où le truc violet entoure là, avant c'était creux, donc ça faisait comme un vagin en fait. Voilà, je pense qu'ils ont revu leur truc, peut-être pour moins choquer, je ne sais pas. Donc ça, c'est pas un objet qui nous est utile. Donc on a des interactions avec un peu tout. Hein. Donc là, des menottes. Enfin, ouais. Si on peut appeler ça des menottes. Darmania, il est... Pour que ça puisse passer sur Twitch aussi. Oui, voilà, ouais, je pense aussi. Et t'es impatient de savoir, hein, de voir le truc érotique, toi. Donc là, on a un masque. On peut pas l'utiliser. Ça nous met dans l'ambiance. Par contre, ce que j'avais remarqué quand j'ai testé un petit peu, c'est que franchement, au niveau des ruissellements de l'eau, c'est super bien fait. Alors ici, par contre, on peut prendre le masque. Voilà, dans la peau d'une... C'est quand même un jeu d'horreur à la base. Hein. T'as rien dit? Tu m'étonnes. Ah, au début, ils ont fait zen, mais après, c'est dans toute la décoration que tu vois que c'est... Alors, l'objectif, on doit livrer la créature à Théodore. Alors, il y a plusieurs chapitres. Hein, donc, là, je sais pas, une tête avec une langue. C'est dans tous les décors, en fait... Ouais. Ah, il y a des portes, on peut pas les ouvrir.
Là, il y a des, je sais pas si c'est des mythes ou des papillons, enfin bon. Alors ici. Voilà, donc on peut voir quand même que c'est... Voilà, pourquoi j'ai mis interdit au moins de 18 ans, et, je n'ai pas testé toute la démo, mais voilà, les objets parlent d'eux-mêmes, hein. Je ne vais pas vous faire un schéma. Mais après, je ne sais pas au niveau de leur du jeu lui-même ce qui va exactement se passer. Donc, je ne suis pas allée assez loin dans la démo pour voir, mais enfin bon. Par sécurité, interdit au moins de 18 ans. C'est du yoga, ouais, sûrement. Alors eux, par contre, ils s'inclinent devant moi. Si je recule, regardez, si je recule ici, normalement, voilà. Là, ils se lèvent. Et dès que j'arrive, hop. Donc, je sais pas, je dois être une maîtresse sadomaso, je sais pas. Puisque le jeu est basé sur l'histoire d'un antiquaire. Donc le début, on comprend pas trop. Alors là, ici, on a une boîte à musique avec du latin. Alors, j'ai pas pratiqué le latin. Amare humanum est, ignorcere est. Écoutez, pour ceux qui auront le latin, n'hésitez pas à mettre la traduction dans les commentaires, hein, si vous l'avez. Il n'y a rien. Par contre, la prise en main des pour ouvrir les tiroirs, c'est pas évident. Une photo assez espèce, on peut pas la prendre. Et ici. Ouais. Pourquoi pas, hein. Hop. Bon. Alors, nos objectifs, on les a ici. Livrer la créature à Théodore. Au niveau des tableaux, bon, c'est pas si explicite que ça. Un jeu d'horreur qui mélange érotisme et trouille, ça promet. La pluie est quand même super bien faite. Hein. Si on regarde sur le bord de la fenêtre, on peut voir les gouttes d'eau qui s'éclatent. C'est des petits détails, mais bon. Ici. Ouais, le jeu est beau au niveau graphisme, ouais. Comme tu dis. Ici, on a une horloge, on peut rien faire. Ici, on a un monsieur accroupi, d'accord. Bon, il conseille d'y jouer la nuit, hein, pour être honnête. Je pense que là, c'est voilà, ici c'est le gars à qui on doit remettre. Là, on peut pas y aller. Le gars à qui on doit remettre la bébête. My lady. I've done as you asked. I managed to find a Vorn. It's in its beginning stage and it's brimming with essence. Wonderful. Its juices will strengthen your bond to the land of eternal ecstasy. The Vorn lose essence with every second they're outside of their natural habitat. Then we haven't a moment to waste, Theodore. We must perform the ritual tonight. Prepare the Vorn. I'll call the faithful to meet at the ritual hall. Mm-hmm. I'll meet you there. Bon app, hein. Pour ceux qui sont à table, bon app. C'est space quand même, hein. Alors, appeler les membres du culte à la cérémonie. Ok, alors lui, il fait quoi, là? Lui, il découpe la bête qu'on avait sur le poignet, là, qu'on a récupéré dans le monde un petit peu chelou, là. Il le découpe. Bon. On va aller donc prévenir. On a les objectifs ici. Pas de bêtises, alors il faut aller appeler, c'est dégueulasse. Ah, j'avais prévenu, hein, c'est un jeu d'horreur, hein. Appeler Sabinian, appeler les frères Charclay, appeler Mabel, appeler Jonathan, Ephraim et Juliette. Ok, donc on peut voir aussi là en bas, on a le cœur et la santé mentale. On va devoir prendre des médicaments. Je sais plus quel jeu d'ailleurs prenait ce système quand ça allait pas bien. Il fallait qu'on prenne un médicament pour notre santé mentale. Je sais plus quel jeu d'horreur faisait ça aussi. Alors, faut qu'on aille parler donc aux différents, enfin, appeler les différents protagonistes. Amnésia, ouais, peut-être. Ouais, visage, ouais. Visage, tu as raison. Amnésia, je n'ai pas le souvenir. Là, on a une tête
divisé en deux, c'est particulier. Niveau des cadres, c'est pas trop porté encore. Non, graphiquement, moi je le trouve assez sympa. I'll come back later. I don't have time for her dramas. Derrière la porte, il y a quelqu'un qui pleure et elle dit qu'elle n'a pas le temps de s'attarder sur les drames. Ok, elle a l'air sympa la nana. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Si vous savez ce que c'est, moi je sais pas. Les statues sont particulières. Hein. Ok. Salle de bain. C'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Faudrait nettoyer, messieurs, dames, un petit peu. Est-ce qu'ils ont poussé jusqu'à... Non, mais la manette, c'est pas... Je pense qu'au clavier, c'est plus simple. Ah, ils ont... Beaucoup de bruit la chasse d'eau. Ils ont poussé le vis quand même jusqu'à faire. Ouais. Ok, là aussi. C'est quoi ça? C'est des dents? C'est quoi ce truc là? Je sais pas. On peut pas le prendre de toute façon. Voilà, on a quoi? C'est vraiment crado quand même. Hein. Et là, on peut aussi. Ouais, ils ont poussé le réalisme quand même assez loin. Ok. Ah, ici. D'accord, on a un mec donc à deux têtes. Logique. Attends, hein, je reviens. Je vais visiter un petit peu là. Là, il n'y a rien de... Là, c'est occulte un petit peu. Ouais, ça ne me dit rien de plus. Bon, on va parler au mec à deux têtes. Hein. Ok. Si je me mets comme ça, ouais, on le voit bien là. Spécial, hein, garçon. Faithful. Good evening, lady. Dominique et Donald. Come into the ritual hall. Tonight will bring us closer to the land of eternal ecstasy. Yes, my lady. Eternal seems awfully long. What if we have other plans for our retirement? Donald, what are you talking about? Here and now, you may assume a lot of things, but once we all experience eternal ecstasy, your other plans will become meaningless. Get to the ritual hall and be quick about it. On a appelé les frères Charclay qui n'étaient pas d'accord. Alors s'ils sont pas d'accord tous les deux, un était d'accord, l'autre avait pas l'air d'être d'accord avec le programme, mais ils vont avoir du mal à se dissocier, je pense. L'autre, elle pleure toujours. Hein. Assez fermé. Mais lui, il a pas de tête. Hein. Lui non plus. The ritual hall is still closed. I hope Theodore can finish the preparations in time, or else we will lose a tremendous opportunity. Ouais, faut que je parle à qui maintenant? Appelez Sabinian, appelez Mabel, appelez Jonathan, Ephraim et Juliette. Ok, bon.
L'autre pleure toujours. Faithful, Master Theodore and I are preparing a ritual to locate a new Seeing One. Please, gather at the ritual hall with haste. Of course. Je vais être une maîtresse dominatrice, moi, parce qu'ils s'inclinent tous devant moi, c'est assez space. Alors, ici... un chiffon dedans, ouais. La déco est sympa, hein. Même les détails des bouteilles de vin et tout, c'est assez bien fait, je trouve. Les bustes d'un homme et d'une femme. Différents masques. Est-ce qu'on peut interagir ? The masks of our fallen faithful. So many dead. Ok. Et là, elle dit la même chose. Ce sont les masques des différents membres décédés. C'est original. Theodore and I are preparing for the ritual. You must proceed to the ritual hall at once. The ritual? But the summer solstice is still... There's no time for discussion, Sabinian. The Vorn I've captured is bound to lose its essence at any moment. We must find Seeing Ones as soon as possible. Yes, my lady. Okay. Il regarde quoi, lui? Un truc assez space? Bon. Donc en fait, la petite créature qu'on a trouvée qui s'appellerait Vor, c'est lui qui aurait la puissance pour nous donner l'extase, on dira. Ça, c'est tous les masques des personnes décédées. Ok. Bon, l'autre est Queen encore ou non? Ah non, la porte est ouverte. Parce que je pense qu'il ne reste que elle à appeler. Mabel? Yes? Alors là, on a le choix, soit on rappelle ma belle à l'ordre, on va essayer ça. Stop weeping, faithful. This is neither the time nor the place. I'm sorry, Amanda. It's just memories. You are needed in the ritual hall. Immediately. Yes, of course. Donc on a appelé tout le monde. Commencer la cérémonie. J'aurais pu être plus cool, mais dans le sens où ben, j'ai l'impression d'être un petit peu une maîtresse dominatrice. Je n'allais pas être sympa avec la demoiselle. Hein. Dans le test que j'avais fait, j'avais choisi la première. Hein, ça m'était arrête de pleurer, ça sert à rien, blablabla. Et là, par contre, c'était plus violent, quoi. Enfin, violent, façon de parler. Ok, donc on va à la cérémonie. Welcome, faithful. May the lustful god look down upon us in joy. Tout le monde est là, apparemment. Alors lui, il m'éclate avec ses deux têtes là. Et en plus, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, un vrai bordel. Ok. I'm glad we managed to gather so quickly. I hope that with the help of the Vorna's mucus and Amanda's gift, we will be able to find a new seeing one who will join our cause. Mm-hmm. Time to begin. Eve Lava Brark. Eve Lustga.
Drink my potion, Queen. Feel the land of eternal ecstasy. I can feel him. Join us. Scene one. Oui, donc je me suis pas trompée, j'étais bien une reine, hein, donc. Un buste, des pieds. Ça, c'est pour d'Armagnac. Main coupée, c'est assez, c'est space, hein. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça. Quand tu regardes là, le, tout à fait, on dirait un manoir de fétichistes chelous, mais. Si tu regardes là les images, la bestiole apparemment se reproduit avec les humains. Ça va être dark, hein. Je pense que ça va être très dark. Il est très attendu comme jeu. Hein. En même temps, c'est ceux qui ont fait Lust of Darkness, donc... C'est space, hein. C'est très glauque. Hein. On voit la bestiole s'alimenter par toutes les parties du corps humain. Nous rampons parmi les ombres, voulant la réconciliation avec le bonheur. Nous invoquons vos dons, nous invoquons votre lumière. Écoutez-nous, car nous sommes la voix de l'unité des corps. Oui. Chapitre 2, Victor Holloway. Huh? The hell was that? I better go check in back. Rechercher l'arrière-salle. Donc là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. On incarne maintenant, je pense que c'était un avant-goût pour nous expliquer ce qui nous attendait. On rentre maintenant dans le vif du sujet en incarnant donc l'antiquaire Victor, donc qui a des visions. J'ai voulu taper trop vite, c'est pas grave. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme objectif? Je me suis trompée. Qu'est-ce qu'on a comme objectif à faire? Rechercher l'arrière-salle. Alors là, on a un inventaire, contrairement à tout à l'heure, toujours la vie, toujours la santé mentale. Alors, inspecter l'arrière-salle. It's Mrs. Hudson's order, and the deadline's today. Maybe those visions are just some kind of intuition, and I'm not going insane. Maybe. On comprend la note, donc rappelez-vous pour le speech, je vous avais dit qu'on allait incarner Victor, l'antiquaire qui avait des visions et qui allait rejoindre justement le culte qu'on a vu au début. Pour l'instant, on est chez lui, on va avoir des objectifs à faire, on va avoir des choses à chercher, donc on va voir tout ça. Alors, on va se remémorer nos objectifs. Alors, il va falloir qu'on trouve, pour la commande de Madame Hudson qu'on vient de prendre, trouver une pièce de monnaie, trouver le livre, trouver la statue, placer les objets collectés dans la boîte et appeler Madame Hudson après avoir terminé la commande. Ok. Alors, le jeu nous aide un petit peu parce qu'il met en surbrillance ces objets, sauf ceux qui sont cachés, bien entendu, ça serait trop simple. This revolver brings up a lot of painful memories. And it should be better hidden. Lily doesn't like guns. Ok.
Alors ça nous met, vous pouvez voir là, la petite statuette en surbrillance, mais pas tout. Alors, hop. On la prend. On a trouvé la statue. Il nous reste le livre, pièce de monnaie, mettre ça dans la boîte et appeler Madame Houston. Ok, alors. Ça, c'est le téléphone portable. Salut, JJ, ça va? Ça, c'est le téléphone portable. Lily's laptop has been messing up lately, so she often asks to borrow mine. What will I tell her when she asks why my browser's history is empty? Ok. Donc un livre, une pièce et puis mettre tout ça dans la boîte. Alors là, le livre il clignote, donc pas de problème pour le trouver. On le prend. Et donc, il faut qu'on trouve la pièce de monnaie qui nous manque. Alors ça doit être planqué dans les placards. Alors ça, je l'ai fait dans la démo, donc quand j'ai testé la démo, j'ai fouillé partout. Donc celle-là, par contre, était cachée. Voilà. Ok. Donc là, je pense qu'on a tout pour la commande. Il faut qu'on place les objets collectés dans la boîte. Alors, quand vous allez, si vous testez la démo, puisque le jeu sort qu'en février, vous allez tourner, virer. Moi, j'ai cherché pendant un moment, en tout cas. Hein. Donc, hop, on appuie sur A, donc. Et on va mettre dans la boîte les objets qui nous ont été demandés dans la commande pour valider la chose. Mrs. Hudson's order is ready. Now I just have to call her. Oh. Ok. Bon, pour ça, ben, le téléphone qui se met en surveillance. Hello? Hello, this is Victor Holloway speaking. I managed to complete your order. Oh, splendid! Did you have any trouble with it, sweetie? None with the book. But I did have to battle for the coin. I've also confirmed each item's authenticity for you. Wonderful. I'll stop by in the morning and pick it up. Oh, and Victor, your grandma would be so proud of you. You gave the shop a brand new life. Oh, yeah, thanks. That's nice of you to say, Mrs. Hudson. But, you know, you could bother to dust the place from time to time. I'll look into it. Good. Good. By the way, I saw Lily yesterday. I even chatted with her. So I've heard. Such a lovely girl. She reminds me so much of your mother. Mrs. Hudson, if she was anything like my mother, I wouldn't be with her. Victor, you shouldn't speak like that about your own mother. You didn't know her like I did, okay? Hmm. Well, then, are you and Lily planning to get married? On a le choix de ne pas lui en parler maintenant ou lui dire je dois y aller, on va mettre la 2. Mrs. Hudson, I need to go and feed my dog. Victor, you don't have a dog. I'm talking about the Holy Sacrament, will you? Sorry, gotta go. Mrs. Hudson is the type of antique that I really don't like dealing with. Okay, that's enough work for the day. I just need to close up shop, then I can spend some time with Lily. Alors, on doit fermer la boutique. Alors, j'aime bien comme il parle de la dame qui a téléphoné l'antiquité. Alors, on va fermer boutique. D'abord, on va regarder ça. Chère maman, ça fait longtemps que je voulais t'écrire. Tu ne devais pas être surprise de savoir à quoi ressemblait mon enfance. Il y a beaucoup de changements sérieux dans ma vie. Il parle de Shirelle. Non, il parle pas de moi. Il y a beaucoup de changements sérieux dans ma vie et je veux remettre les choses au clair, c'est ce que je veux pour de bon. Ok. L'ambiance avec la maman et la famille n'a pas l'air super nette. Alors, nos objectifs, fermer la porte de la boutique et fermer les stores. Ok. Alors. Bon, le jeu est vraiment beau. Hein. On a pu le voir, vous me l'avez confirmé. Ok, un store. Fermer les stores. Et là, je trouve que ça fait super sympa parce qu'en fait, quand on regarde, on dirait que c'est des murs de pierre en fait. Le jeu est vraiment beau.
De ce côté-là, rien à dire. Donc là, on a fermé la boutique. Il nous reste à fermer les stores. Bien sûr, il faut prendre le temps de fouiller tout. Hein. Il y a plein d'objets à fouiller. Shit. It's past 6 already? Lily should be back from band practice soon. I gotta set things up for our date. Alors, préparer une soirée romantique. Alors, faire disperser des pétales de rose, allumer la bougie, préparer le vin, préparer le cadeau, préparer les verres. Ok. Donc là-bas, on a la boutique, donc je pense pas que ce soit là-bas. Là-bas, on a l'arrière-salle qu'on a vu tout à l'heure, donc il nous reste cette porte. À ce moment-là, il vivrait carrément dans son magasin d'antiquité, quoi. Alors, fouillons un petit peu ici. Pas l'air d'y avoir grand-chose. Ah, mais c'est dégueulasse, j'avais pas vu. Il y a c'est quoi, des fourmis, des cafards, des fourmis. Super. Là, c'est fermé. Je sais pas ce que ça va donner quand on va passer dans le monde sadomasochiste et héroïque et érotique. Je vais y arriver. Érotique. Là, il n'y a rien. Ici. Sérieux, niveau graphisme est très très joli. Et là, on a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir. Hein. Bon, c'est déjà moins glauque qu'au début, quand même. Hein. Il y a une interaction avec les fenêtres, non? Alors. Nos objectifs, c'est faire disperser des pétales de rose, allumer la bougie, préparer le vin, préparer le cadeau, préparer des restes. Eh bien, on va fouiller. Je pense qu'il va falloir trouver des choses. Il vaut mieux jouer à la manette, au clavier plutôt qu'à la manette. Alors, dans la chambre, il n'y a rien. Ici. Ici, c'est la salle de bain. Bon, vu que c'est un jeu d'horreur, j'ai tendance à regarder derrière les rideaux. Hein. Ça doit être les médicaments pour notre cerveau, je pense. Oh, c'est dégueu, quoi. La machine, elle est foutue. Faut pas me dire que cette machine-là, elle marche. Avec le petit... ils ont poussé le détail à mettre la lessive. Alors, en face, on y est allé. Non. Alors, ici. Il n'y a rien. Oh, damn it. I forgot that I locked the door. That's right. The key is stashed inside a box in the living room because I didn't want Lily to find her gift. Ok, donc la clé se trouve dans le living room. Ok, bah écoute, on va y aller. Alors. On va avoir une interaction à faire, mais on n'a pas l'objet là pour faire ça. Donc allumer la bougie, bah, il va nous falloir un briquet, je suppose. Ici, on n'a pas les objets qu'il faut. Donc il faut trouver. Trouver la clé. Thank you.
This Japanese box found its way into the antique shop, and I decided to keep it. The hint is hidden in this closet. Allez. Hop. On va le prendre. Et ça fait quoi si je le mets là? Super. Appuyez sur A pour appuyer mon ordinateur là. Pour... Sirène, centaure, centaure et dragon. Pour ouvrir cette boîte, vous devez invoquer les trois créatures ci-dessus. Centaure, sirène et dragon. Ça, j'avais bien capté. Le problème étant que... Ouais. Sirène, centaure et dragon. Dragon, il est là. Et je vois pas de centaure. On reviendra dessus. Là, je vois pas du tout. Vous me direz, vous, si vous avez trouvé. Je vois pas du tout de sirène ni de dragon là-dedans. Enfin, dragon, oui, mais centaure, etc. Non. En nos objectifs. Allumer la bougie, préparer le vin, préparer le cadeau, préparer les verres. On n'a toujours pas trouvé la clé. On va les poser ça, on a trouvé les verres. Il nous manque allumer la bougie et le vin et la clé. Et là, je ne sais pas du tout. Beyond the gates of our universe swirls Lustka. In the face of the absolute truth, its light is the only way. Fuck, what's wrong with me? I have to get my shit together. Alors, heureusement qu'on a visité, hein. On va prendre les médocs. Alors, les situations perturbatrices ont un impact négatif sur votre santé mentale. Tomber dans la folie peut provoquer des illusions visuelles et auditives et même perturber votre contrôle sur le personnage. Ben, on va pas attendre à lui faire prendre un médoc, hein. Ok. Bon, il nous manque la clé, il nous manque la bouteille de vin. Et étaler des roses. Bon, là, il y a le briquet, je crois. Étape par étape. Alors, utiliser le briquet. Ok, ça a fonctionné. Alors, il nous reste à préparer le vin et à préparer le cadeau, faire disperser des pétales de rose. Où c'est qu'il peut être le vin? Est-ce que je peux me... Thank you.
Je vois pas de vin là. Il l'aurait mis en surbrillance. Il aurait planqué où le pinard? Faut le commander. Par contre, il a pas mal de whisky. Hein. Ok. On n'a pas trouvé la clé et on n'a pas trouvé la bouteille de vin. Où c'est qu'il a pu mettre ça? Ça va être une énigme à la noix, là? Non. Pitié, c'est pas ça. Oh, il aurait pas mis le... En vert, c'est un... cheval alors? Un centaure, une sirène et un dragon. Je vois pas la sirène là. Est-ce que ça serait ça? Pour imprimer la feuille de papier, appuyez sur B pour retourner. Mais j'ai pas de centaure et de sirène. Hein. Faut pas que je mélange. Ils ont pas poussé de vis à faire. Alors, ils auraient poussé de vis à faire. D'accord. En fait, mettre un homme ici. Mélanger avec le poisson. Non. Mélanger avec le cheval, pardon. Ça donnerait le centaure. Et là... la sirène avec le poisson. C'était ça. En fait, fallait mélanger le... Ah la vache, la clé était dedans. En fait, l'homme plus le cheval, ben, ça te donne le centaure. Et la femme plus le poisson, la sirène. Fallait le faire, ça. Je suis fière de moi, là, sur le coup. Je n'ai pas fait exprès. J'ai réfléchi. Alors, le cadeau, on va pouvoir le chercher. On a la clé, mais on n'a pas le pinard. Alors, j'espère que le pinard est là-dedans. Ok, donc le that should be tout just about là. Everything I need for a special evening with Lily. I really hope she likes the guitar. Ok, donc tout était là. Donc, sans la réussite de l'énigme, on n'aurait pas. On n'aurait pas réussi. Là, je suppose qu'on étale les pétales. Non? C'est pas là les pétales? Ici? Il y a un ordre pour les pétales? Voilà. Ah, ils ont poussé le truc loin. Hein. Faut suivre le trajet. C'est pas là? Il a pas voulu là.
Ok, ça c'est bon. Donc il ne nous reste plus qu'à placer la guitare, je pense. Préparer le cadeau. Pas que je l'emballe quand même le truc. Everything is in place. Man, I just hope it's not too cheesy. Okay, back to me at rehearsal. Are you crazy? This is this for me? Seriously? Salut Fred, ça va? Of course, her anniversary. Oh, you goddamn romantic. Hey, I told you we didn't need to do these kinds of things. But, wow, it's so beautiful. Thank you, Victor. A beautiful gift for the most beautiful girl in the world. Are you peddling antiques or compliments, mister? Oh, baby, can you go grab my pick? It's downstairs in my backpack. I'll tune this beauty up in the meantime. Sure thing, but you gotta play me that new song from your band. Ouais, ça va. C'est une démo du jeu, d'un jeu qui sort au mois de février, Lust from Beyond, M Edition. Donc c'est un jeu d'horreur mélangé à du sadomasochisme érotisme, d'où le fait que j'ai mis interdit au moins de 18 ans. Donc ici, on doit aller, nos objectifs, aller chercher le médiator. Alors le médiator, il est où? En bas dans son sac, elle a dit. Au début, c'était un petit peu chelou quand même. Elle a bien dit en bas. Ah oui, dans son sac, ça doit être là. Non? Yes. Le jeu est très très beau. Hein. Elle me demande le médiator, mais elle y joue quand même. Elle est où? Eh ben, c'est bon. Comment passer une soirée avec votre épouse si elle se barre et que vous savez pas? D'accord, elle s'est mise en petite tenue. Ça va prendre un peu plus de whining et dining pour vous mettre en bed tonight. Well, maybe I'm the one getting you in bed tonight. Let's call it my gift to you. Sex for a guitar, huh? Is that a fair trade? Oh, shut up and get over here, you loon. We need to celebrate. Fermez les yeux, on regarde pas. Ça va, on n'a rien vu. Hein. Lusga vous tend sa main et elle touche votre esprit. Vous y succombez pour entrer dans la terre qui ressemble à un rêve. Fermez vos yeux et vous verrez l'accomplissement que vous désirez. Ah, il se réveille donc là où on était. Non, 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 not this again. When will these fucking nightmares end? Il se réveille là où on était au début du jeu quand on incarnait la maîtresse dominatrice. Hein. Non, j'ai rien. Évidemment.
va falloir que je tourne la dent. Faut pas oublier que c'est un jeu d'horreur aussi. On a, vous avez pu voir dans le trailer, enfin dans le mini trailer, qu'il y a des vilains pas beaux. Hein. Donc si ça lui fait cet effet-là de faire crac crac boum boum avec son épouse, le pauvre. Hein. Qu'est-ce que c'est ce machin? On va le prendre, hein. Ça doit être quelque chose d'important, je pense. Alors, pour ceux qui arrivent maintenant, ils prennent leur le culte un peu taré, je dirais. Prend sa force dans une espèce de bestiole extraterrestre pour obtenir l'extase complète. Le plus haut degré de l'extase, on dira. Ok. Donc, je vous dirais que je suis pas très rassurée. C'est sympathique, hein. Ça donne envie. Merde, j'ai pas vu lui. Médoc. J'ai accès à mes médocs. Oh, j'ai plus de médocs. Au niveau vie, au niveau cérébral, c'est pas le top, hein. J'ai pas les médocs sur moi alors que je les avais avant d'arriver. En même temps, c'est un cauchemar qui fait, donc c'est un peu chelou. Il y a une chute d'FPS. Un truc qui me dit va pas là. Ah, ça m'a remis. D'accord, le truc vert m'a remis la santé et la santé mentale en même temps. Pour connaître le contenu des tablettes omniscientes, observez les points éclairés sous un angle droit. Bien compris là. Il y a une perte de FPS énorme. Hein. C'est dommage. Hein. En même temps, c'est la démo. Hein. On prend, hein. Ça va, ça fait pas trop saccader sur le live parce que moi c'est vachement saccadé avec la perte de FPS. Oh, mais c'est quoi ce machin? Mais j'ai même pas d'arme. J'ai pas d'arme pour la bête là qui me poursuit là. Vous pensez que je suis en save là? Elle est plus là, la bestiole. Non, j'ai pas peur, mais bon, je pense que ce jeu, tu joues comme ils disent dans le noir.
Ah putain, je l'ai pas vu lui. Oui, je viens de me faire peur, oui. Jay, tu me portes la poisse, honnêtement. On va aller se soigner de suite à la santé mentale. J'ai pas du tout compris leur système là, qu'ils veulent que je fasse. Foutez-vous de moi, vous avez raison. RS pour le tourner. Appuyez sur B pour le ranger. Entrez dans la plateforme du renouveau créée par l'intellect de l'omniscient. Laissez votre corps et votre esprit retrouver l'horizon et la perfection. Si tu le dis. Et on a ce crâne là, mais est-ce qu'on peut le... C'est pas ça. Ils m'ont étonné, hein. Ça aurait été trop simple. Il y a plein de saloperies partout. C'est dégueu. Là ? Non. Toi, t'es vivant, toi. Ah ben oui, j'ai pas vu. Pas passé. Je ne peux pas passer. Une idée du garçon. Là, je peux pas. Il y a une sacrée paire de FPS, hein, c'est dommage. Là, je peux rien faire. Il y a des bruits assez glauques, hein. Ils avaient prévenu que ça mettait dans l'ambiance. Ça, je vous le dis, ça met dans l'ambiance, hein. Du tout ce qu'il faut que je fasse. Ah, lui là, si je m'approche, il me bouffe. Ouais, il me bouffe lui. Pour connaître le contenu de tablette onirienne, observez les points éclairés sous un angle droit. Pour que je prenne... Et non, je peux pas la prendre celle-là non plus. Celui-là. Ah, je l'ai tourné. Ça a fait un truc tout à l'heure. Après, il se repositionne. Il m'en faut un autre, en fait. Ah ouais. Je peux pas mieux faire, hein. Peut-être parce qu'il y avait vachement de... Là, c'est plus fluide, hein.
Ouais, vite fait, quoi. Mais je me retrouve... Ah, d'accord. Oh là là, c'est quoi cet enfer? Pourquoi je suis pieds nus? Parce qu'il vient de faire crac-crac avec sa femme. Il vient de faire crac-crac tagada boum boum avec sa femme et il se réveille là-dedans. Donc, raison pourquoi il est tout nu. Enfin, je suis prévenu, de toute façon, c'est très glauque. Hein. Bon, c'était lui hein, qui... Ah, je peux toujours pas... Non. C'est quoi mon objectif? J'en ai pas? J'ai pas d'objectif. Troisième. Il me manque un troisième morceau. C'est ici, là, que, à ce niveau-là, que ça lag. Hein. Pourquoi? Ah, je la vois. Je crois qu'elle est sur le pilier, là. Chercher l'affaire quand même. Ok, donc on se casse et on va là-bas. Caché. Il m'a pas vu, hein. S'il m'a vu, il m'a vu. Appuyez sur S pour entrer en mode furtif. Mais non, m'a pas vu. Mais casse-toi. Je suis en fufu, là. Faire bouffer. Bouffer. Faut que je me lève pour reprendre la... Ouais, ben ouais. Hop. Elle est où? Quand je suis accroupie, je suis en mode furtif. Elle me voit pas. Donc, il va falloir que j'aille là-bas sans qu'elle... J'ai pas beaucoup de temps, en fait. Mais descends cette putain d'échelle!
Oh la revoilà. Je vais me faire becter. Je passe dans le dos. Elle m'a pas vu. Je sais pas si elle m'a vu, je m'en fous, je me casse. Hein. Putain, là c'est mon palpite qui va pas bien. Vous racontez, vous deux, le matin sans son café, je te merde, Jay. Et quand sa base est mal faite, pas du tout. Oh non, qu'est-ce que c'est, ça encore? I feel you. I can feel you with my whole body. Your aura burns me like never before. Puissance perdue, Dieu lubrique souhaite vous donner une part de sa puissance. Choisissez un don. Esprit de l'omniscient, agilité du changé. Le corps de cristal augmente la santé maximale d'un point. Ce don vous aidera à survivre au combat physique. Esprit de l'omniscient augmente la santé mentale d'un point. Ce don vous aidera à apprendre les sombres vérités et à gérer les images macabres. On va mettre ça. C'est peut-être pas le bon don que j'ai pris, hein. Elle a disparu là. Je veux bien que l'antiquaire, il n'est pas très net dans son cerveau, mais là, c'est vraiment pour consulter, monsieur. Oh la vache. Ah, je l'ai pas vu. Tu peux me taper encore? Studio. Tout ça pour ça. Ah mais il y a des tunnels partout, c'est horrible. Hein. Tout ça pour trouver l'extase. On en est loin là. Razer ton jeu. Il va sortir encore donc. Mais il est très attendu apparemment. On va descendre par là, je vois pas d'autre. J'ai perdu la moitié de ma vie. Oh non.
J'ai fait un bon escafre. Bon, il se retrouve chez lui. I'm sorry, I really am. On a fini la démo. Je sais pas ce que vous en aurez pensé. En tout cas, au niveau de YouTube, vous me direz vous ce que vous en avez pensé. Vous me direz par rapport à la démo. Voilà. Bon, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Hein, fouiller des placards, des choses comme ça. Mais enfin, là, on a fait en tout cas le tour de la démo. Elle était courte pour une démo quand même, je trouve. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, sachant que je vous le redis, je vais être absente à partir du 2 février jusqu'au week-end suivant. 2 février, c'est mercredi, mardi, mercredi, cause d'hospitalisation. Et je reviens le week-end d'après. Donc ne m'en voulez pas s'il n'y a pas de live ou s'il n'y a pas de vidéo sur YouTube. Mais je rentre à l'hôpital, donc rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, faut y aller. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes ou la suite des Let's Play. Bye bye!